qui sont les lois de la République. Je pense à 12% de On manifeste parce que nous, on a l'expérience cuisante de la loi Aubry en 1998, qui avait été un échec, qui n'avait quasiment rien apporté aux personnes concernées, c'est-à-dire aux exclus, aux ménages pauvres, aux couches populaires, donc, et qui sont aujourd'hui dans la précarité. La pauvreté s'est aggravée aujourd'hui. On ne veut absolument pas des miettes, on ne veut pas des coups de com', où on nous annoncerait une augmentation de 3% qui correspondrait à 10 euros par an sur 5 ans, sur 10 ans. Tout ça, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande 250 euros d'urgence de réévaluation des minima sociaux qui n'ont pas été revalorisés depuis leur création, qui veut qu'ils ont largement décroché du niveau du SMIC. Là, je suis logé jusqu'à mercredi prochain. Après mercredi, je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Des fois, j'ai même dormi dans ma voiture 4 jours. Alors, parce que la ville de Paris ne veut pas prendre en charge l'hôtel. Il est logé dans des courbis. Elles n'ont pas de logement. Aujourd'hui, dans les CHRS, on leur dit...